OK, donc là, on va avoir un combat qui oppose Tokirani Pauwira de Red Kings MMA et entre eux, et qui sera opposé à Teahinui Omaru, MMA Orange. Voilà, donc on peut voir que là, hein, ce jeune protagoniste, il est quand même chaud là, il essaie de faire le show. Il est motivé, là, on voit sa détermination. Voilà, il attend son adversaire là. Il y a quand même des beaux moyens qui ont été mis en place là, hein. On peut voir le jeu de spot là, la brume qui est voilà, utilisée pour quand même donner un peu ce goût d'avant-show à l'américaine. Voilà, donc là apparemment là, les deux s'attendent et ça va être un beau combat, j'en suis sûr. Alors on peut quand même noter que c'est une soirée qui a vu l'intervention de beaucoup de sponsors, on tient à les féliciter. On va quand même remercier nos partenaires d'NGV qui sont nos partenaires officiels. Alors nous avons d'NGV, exactement. IGSPF, commune de Tewa Utah, commune de Tearapu West, Est et Ouest, commune de Moria. Commune de Papara. Exactement, Papara. Il me semble que le combattant là, qui a les cheveux teintés en jaune, il vient de Papara. Donc là, à noter que ce sont des combats sans casque, donc les KO peuvent arriver. Donc début du premier round. Ok, donc là on peut voir qu'il s'observe un petit peu. Ok, des gros low kicks quand même qui sont appelés. Une réponse en low kick également. Oh! Le timing a été parfait, le takedown a bien abouti. Tentative de guillotine. Ok, l'objectif là de Tokirani, hein, ce sera de se relever. Hein. Voilà, donc là il a quand même récupéré la demi. Oh, jolie tentative, joli renversement là. Donc la situation s'est inversée. Toki reprend l'avantage. Donc là, on peut quand même voir une tentative de body lock qui n'est pas encore aboutie puisqu'il faut que la jambe gauche vienne hameçonner la jambe droite de Toki. Bon, là, il a récupéré la garde. Donc là aussi, Teahinui, son objectif, ce sera de se relever puisque là, Tokirani est en position dominante. On peut voir qu'il essaie de se rapprocher du bord de la cage. Donc des gros coups qui sont enchaînés au niveau des côtes. Ok, quand même une technicité là. Ok, une guillotine qui a apparemment presque passé là. Il faut qu'il vienne exactement, il faut qu'il vienne finir l'étranglement de la guillotine. Position assez difficile pour Teahinui. S'il n'arrive pas à se dégager, Tokirani pourrait le finir là. Exactement, on peut voir que le bras est deep, comme on dit, bien à l'intérieur. Donc là, l'objectif, exactement, asséner des coups, mais là c'est un peu difficile pour lui. Teahinui, parce que Tokirani a quand même le bras bien à l'intérieur et lui son objectif ça va être de finaliser la guillotine qui n'est pas passée. Hein. Ouais. Donc on peut voir Tokirani, son regard. Hein. Il sait ce qu'il a à faire, il connaît son job. Teahinui, hein, qui démontre une belle opposition. Oh, un joli renversement. Ok, donc là on appelle cette position la nord-sud précédemment, dans un genou qui vient d'être asséné là. Une reprise de guillotine. Il faut que Teahinui tienne là, il lui reste exact, il lui reste 10 secondes. Ok, ground and pound.
Ok, on peut voir dans le regard Tokirani qu'il est déterminé, il ne veut pas perdre ce soir. Joli premier round. Là on est sixième combat, donc Tokirani Powira de chez Red Kings opposé à Teahinu Tomaru en moins de 66 kg. Donc là on peut voir un premier round qui vient de se terminer. Tomaui, tes impressions par rapport à ce premier round, qui tu vois comme dominant pour ce premier round? Tomaui, qui est connu dans le monde du JJB, hein, qui a un gros bagage académique, donc est là avec moi ce soir pour commenter le combat qui oppose, rappelons-le, Tokirani Powira de Red King MMA contre Teahinu Tomaru au moins de 66 kg. Donc là on voit, hein, la stratégie n'a pas vraiment changé pour Tokirani. Il essaie de passer sa guillotine, il essaie d'épuiser et de marquer son adversaire avec des frappes au corps. Tomaui, là, qu'est-ce que tu en penses pour finaliser là, il vient d'échapper là, à la guillotine. Mais qu'est-ce que tu préconiserais, quel conseil pourrais-tu donner à Tokirani si tu avais l'occasion de discuter avec lui pour finaliser sa guillotine? Ok, petit problème technique là. On voit qu'il y a quand même des gros retournements, hein, par rapport aux positions montées là. Donc on voit que précédemment Teahinui était en position montée. Tokirani a réussi à récupérer la montée là. Il a une très bonne base de jiu-jitsu déjà, Tokirani. Donc c'est ce qui facilite un peu son passage. Donc la fin du deuxième round qui oppose Tokirani Powira de Kings MMA à Teahinu Tomaru de Moria MMA. Donc là on peut voir notre commentateur Henry Burns, hein, qui est sur tous les fronts, que ce soit au vestiaire, dans l'octogone, aussi bien en tant que commentateur. Il est partout, Henry Burns. Il porte tous les chapeaux. Donc là on peut voir un petit récapitulatif, hein, des belles actions qui ont été menées. Un takedown amené,
La voix que Tukirani contrôle. Il ne veut pas du tout se faire retourner. Et là, un retournement exactement. Donc on peut voir que ce sont des... On voit que la technique est à peu près équilibrée des deux avec une domination évidente de Tukirani. Ok, donc là, dernier round, on se touche les gants et c'est parti. Ok, donc là, la fatigue elle part un petit peu. Hein. Une jolie saisie. On voit que Tukirani sprawl pour éviter que Teahinu essaye de le récupérer, de le retourner. Quand il a un tel bon sprawl. Hein. À savoir que le sprawl, c'est un mouvement qui permet en fait de stabiliser au sol pour éviter ben, qu'il y ait une amenée suivie d'une retournée, par exemple. Donc le sprawl, c'est la défense primordiale qui est appliquée dès qu'une tentative de takedown est amorcée par l'un des combattants. Il y a une blessure. Oh, apparemment une blessure, exactement. Ah ouais, il y a une blessure. Au niveau de l'arcade, peut-être. Non, apparemment c'est en dessous, au niveau de la pommette. Arrêt de l'arbitre. Ah voilà, donc comme on peut s'y attendre, hein, l'intérêt aussi des arbitres, c'est de préserver l'intégrité des combattants. Et là, une petite blessure à la pommette. Apparemment c'est à l'arcade, Touma, oui. Apparemment, oui. Félicitations. Toujours le respect, hein. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment chez nous. Hein. Également à l'étranger, mais on voit qu'il y a plus du show-off à l'étranger puisque les combattants là-bas, ils veulent faire le show. Ici, on montre que ben, le respect, ça prime, mais ça, c'est une très belle chose. Hein. Voilà. Donc, une blessure qui peut paraître impressionnante au vu du sang qui s'écoule sur le visage de notre combattant, là, ce soir, de Teahinui. Mais rassurez-vous, hein, le docteur a malgré la petite coupure qu'il a au niveau de la pommette, on dirait. Voilà, après il va arrêter le combat pour éviter peut-être que ça s'aggrave. Hein. Voilà, donc Tukirani qui va être nommé vainqueur de ce sixième combat en moins de 66 kilos.